Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on devait faire un truc simple, c'est se faire ce circuit-là, qui est juste en face. Attends, faire si on l'a déjà fait. Non, non, non. Il est tout nouveau, donc du coup, il n'y a pas de souci. Là, je regarde un peu. Épreuve mixte, d'accord. Championnat actif, on le fera après. Exhibition, le championnat l'a pas débloqué. Ok, donc il y a des trucs encore à revoir. Hein. Ok, ouais, c'est pas grave. Allez, on y va. Soyons fous, soyons fous. Soyons motivés aussi, et on poursuit. Donc c'est juste en ligne droite, je n'ai pas à faire grand chose. Tiens, pour faire plaisir à certains. Pendant qu'on est en mode libre, on en profite un peu pour varier un petit peu les vues. Moi bon, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui aime ce genre de vue. Hein. Franchement, j'en doute. Hein. Encore mieux c'est là peut-être, non je sais pas. Vous arriverez à destination. Voilà. Vous avez atteint votre destination. Défi collector. Attention, hein, ça va être une... Oh, tiens, en pleine nuit maintenant. 400... Ah, ça va être trop bien. 402 km/h. Oh, bah ça va comme défi. Il doit pas être trop compliqué celui-là, non? Attention, il met de la musique et tout, hein. Est-ce qu'il faut pas de ma gueule avec leur musique là? 402, on va le battre ou pas? De justesse, hein, je dirais. Hein. Oh putain, c'était pile poil! Eh, ils avaient calculé les trucs en millimètre près, hein, en millimètre! Hein. Ah, parce que pour l'instant, on a fait un sans foutre, ça m'aurait vraiment choqué si on serait. Si on serait vraiment loupé. Merci pour le défi. On n'a pas eu beaucoup de fans par contre là. Ah si quand même. Hein. Ils ont foutu Beethoven en plus en musique, laisse tomber. Les petits malins. Non franchement c'était pas évident comme course là parce que c'était... Si tu t'aurais loupé légèrement t'aurais foiré le truc. En tout cas il est terminé. Mais c'est très intéressant comment c'est fait. Hein. Tiens je devais pas aller dans un autre championnat à côté Body. Exhibition, tu sais quoi, on y va tout de suite. Attends j'en ai un avant, je vais le faire ici. Il est sur ma route, donc soyons pas fous. De louper ce genre d'objectif. Attends, il y a une pancarte, elle doit être à l'intérieur, je pense. La pancarte, hein. A ton avis, tu crois qu'elle est où, la pancarte? La pancarte. Je la vois pas tant que ça, si je la vois maintenant. Voilà, ça y est, on l'a. Nouveau calcul de l'itinéraire. Ok, c'est bien ça. C'est bien parce que le seul ami que j'ai sur Xbox, il me met encore plus la pression que... que je sais pas quoi. Il a dû passer toute sa nuit, le type, dessus. Hein, à faire tout le jeu, quoi. À 200 mètres, tournez à gauche. Tournez à gauche. Tournez à droite. Tournez à gauche, tournez à droite, tournez à devant, tournez derrière. Wadji, faut que tu reviennes en arrière, t'as fait trop le kangourou. Allez, on s'inscrit au championnat. Et c'est parti. Ah, mais je l'ai déjà fait. Non, t'as pas fait rivaux. Donc là, ils veulent vraiment qu'on fasse rivaux. Ouais, tu sais quoi, on le fait vite fait. Hein. En S2 ou en S1? Vas-y, je vais pas m'embêter, je vais prendre une voiture un peu moins puissante. Je vais prendre une Mercedes, comme ça, ça pourra faire plaisir à certains. Je sais pas, je regarde vite fait ce qu'on a. Tiens, je vais vous faire plaisir, je vais tester la Ferrari en même temps. Ou la Audi. La Audi, tu sais quoi? Ah oui, comme ça, j'essaie de varier un petit peu les voitures. On aura pour tous les goûts, comme ça. Moi, je m'en fiche, hein, je suis capable de jouer avec la même voiture pendant tout le jeu. Mais je sais que certains raffolent de cette petite nouveauté. Je vous ferai après la vue embarquée. Hein. J'ai pas intérêt à me louper avec les rivaux là, les premiers mondiaux là. Oh là là, c'est vraiment sensible. Hein. Faut pas aller trop vite avec cette caisse. Hein. Donc on aura l'occasion, vous inquiétez pas pour tout ce qui est vue embarquée. Hein.
Je sais pas si c'est super grand comme circuit, mais ça a l'air d'être assez costaud comme épreuve. Hein. C'est pas grave, je m'en fiche un petit peu du multiplicateur. Le temps de course était... Ah là, je me suis un peu loupé niveau timing. Ah, ça fait deux erreurs pour l'instant. Ah oui, attends, il est devant. Cool, j'ai le fantôme. Ça, c'est des vrais joueurs en face. Hein. Ah, il me met la pression, l'ordure. Ah, il me met la pression. Merde, elle dérape trop la voiture. Je te jure qu'elle dérape. Oh, c'est moi qui ai dérapé. C'est pas vrai. Bon, laisse tomber, je l'aurai pas. Oh, il a éclaté le panneau, lui. Il en a rien à foutre. Ah ouais, les rivaux, c'est quand même des courses assez chaudes. Faut vraiment se dépêcher d'aller beaucoup plus vite. Peut-être que j'ai pas pris une voiture qui est assez rapide. Donc là il a freiné, ça veut dire que ça va être super chaud. Ah tu vois, si ça aurait pas rebondi comme ça, j'aurais pu réussir. Donc il est juste derrière mon cul le mec, attention moi. Et tout va se jouer là, il a fait la même boulette j'imagine, ouais, il a fait la même connerie. Tout le monde fait la même bêtise. Ah, il va pas m'avoir, je te le dis. Bon, maintenant on a toutes les chances de réussir. Si je fais pas de son faute. Mais on sent quand même qu'elle est sensible la voiture. Il est juste derrière mon cul, ouais, juste derrière. Ok, c'est bon, c'est réussi. Ça réveille un peu quand même. Hein. Ah, c'est c'est le petit malin que j'ai en fait. Hein. Ok, c'est lui que je veux concourir. Mais t'es sérieux, c'est un geek lui. C'est un geek ce mec que j'ai en ami là. Puis je sais même plus c'est qui parce que c'est un abonné que j'ai ajouté de longue date. Le mec, c'est un geek. Qu'est-ce que je veux que je batte un mec qui passe sa vie à jouer en 4 sur Forza. Je veux pas le défier moi. J'en ai marre. Hein. Attends, on va me sortir des champions, je sais pas quoi. Il manque plus que t'ajoutes des champions, ça y est, je l'ai un petit peu... Ah non. Non merci. Attends, je vais pas m'amuser à défier tout le monde, hein. Non mais lui, sérieux, c'est un geek, vous le voyez bien, dès qu'à chaque fois je casse un panneau, il est tellement en avance, le mec il a passé sa vie. Soit il l'a eu 2 semaines avant tout le monde, ou soit il a pas dormi depuis qu'il l'a obtenu. Alors là, j'ai les championnats. Pourquoi je peux pas activer le championnat? Parce que t'as pas fait cette épreuve aussi. Allez, c'est pas grave, non, on y va là-bas. Donc l'Audi, vous inquiétez pas, on aura l'occasion de voir un petit peu la vue embarquée un peu plus tard. Je n'ai pas oublié votre vue embarquée, mais il fallait que je me concentre quand même sur la course pour pouvoir obtenir la victoire. Parce que si j'aurais perdu, vous m'aurez reproché que j'ai mal joué. Savez-vous, c'est toujours comme ça. Hein. Si j'arrive deuxième, tu sais pas jouer. Aïe. Je dis pas toute la... Oh non, tu vas où comme ça? Tu vas chez la voisine ou quoi? C'est pas l'heure de pique-niquer, hein. Désolé, je ne répare pas les dégâts matériels que j'ai commis. Dès que possible. Putain, mais en fait, tous les trucs, je les ai déjà faits. Ah, est-ce qu'il y en a une à côté? Elle est où leur course à côté? Ah, elle est là-haut, là. Eh, faut franchement l'avoir, le truc, hein. T'as vu, j'allais faire celle-là, en plus, comme un idiot. En pensant que c'était cette course-là, ils les ont vraiment collées, cette fois-ci, les épreuves. Ok, donc c'est juste là. Je m'inscris à l'épreuve et on y va à championnat. On peut faire exhibition ou championnat. Hein. Mais faisons un championnat. Et après, on refera une exhibition juste derrière. Donc, c'est toujours avec la Subaru. Bim, 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 bim.
Donc c'est un circuit à 3 tours. Pas de problème. Est-ce qu'il est grand ou petit? Ah, ça va, il a l'air de bien tourner déjà. Oh là là, comment ça m'a ralenti la flotte à cause de monsieur devant qui a voulu trop freiner. Je vais me servir de trampoline avec lui. En fait, ça me motive de jouer avec une fille, hein. Je sais pas. Non, je rigole, depuis que je joue avec une fille, je joue 10 fois mieux, quoi. Dès que j'avais le bonhomme, là, laisse tomber, hein. C'est trop marrant, ce côté-là. Attends, attends, attends. Excuse-moi, excuse-moi, je passe. Je casse la pancarte aussi par la même occasion. Heureusement que tu payes pas les dégâts matériels que tu commets sur la piste, hein. Aïe, aïe. Non, non, c'est pas vrai, j'ai loupé le truc. Donc, eh, le tour, il est petit, quand même, hein, j'ai l'impression. Non? On est presque arrivé? Ouais, on est presque arrivé, hein. Et là, tu te fais un gros dérapage et tout. Ok, donc ouais, ça reste quand même assez correct. Donc, je vais freiner un peu parce qu'ici, je sais très bien qu'on peut vite se casser la gueule. Je te jure, j'ai mal ressaisi au dernier moment le truc. Et il bombarde lui, hein. Il est juste derrière moi, le petit malin. Donc je vais faire attention de ne pas faire n'importe quoi. Donc le plus dur pour moi, c'est là, là. Là, faut vraiment, vraiment freiner parce que on peut vite percuter le truc. Ouais, tu vois, c'était de justesse quand même ici, hein. Donc là, faut couper au niveau de l'arbre. En fait, il y a des petits repères comme ça qu'il faut se servir au maximum pour pouvoir bien s'en sortir. Donc là, il va faire nuit, donc du coup, j'ai pas forcément l'habitude en pleine nuit, mais ça peut donner un petit peu de charme, je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous préférez quoi, en fait, au niveau de la conduite? Est-ce que vous préférez dans la journée ou dans la nuit, en général, hein? Moi, je sais pas, je préfère un petit peu la journée, de temps en temps la nuit. Mais pas constamment, quoi, parce que la nuit, c'est bien, mais c'est un peu plus délicat. Okay, je vais essayer de passer comme ça. Ah, cette fois-ci, j'ai pas fait la même erreur. Je les ai bien distancés. J'étais sûr. Je te jure, je l'ai vu. Je l'ai vu directement ce truc-là. J'ai dit, ça y est, Body va se prendre le mur. Et la vie. Il leur a brisé, il aurait brisé sa vie, quoi. Oh non. Ma vie est foutue. J'aurai jamais des gros multiplicateurs. Ça y est, ma carrière de drifter amateur, elle est terminée. Bon, c'est bon, on est arrivé. Je pense que là, quand même, j'ai... Ça que j'aime bien, c'est que la facilité du jeu, elle est vraiment intéressante. Au niveau de la conduite, c'est vraiment très agréable à prendre en main, et c'est ça qui est plutôt cool. Je sais pas combien de temps, combien je les ai distancés, là. J'ai toujours su qu'elle était pour toi, celle-ci, boss. Donc, ah ouais, on a 60 points. Donc là, je pense qu'on a vraiment remporté le vrai championnat. Par contre, c'est un peu mal foutu parce que le deuxième, comme par hasard, est toujours deuxième aussi, lui. Salut, championne. Tu viens de remporter ton premier championnat de l'été. Bon boulot. Merci. Première épreuve terminée. Ça m'a pas rapporté tant que ça, 2 points, hein, dès que tu gagnes un championnat. Bande de petits vicieux, hein. Ah, ça c'est bon ça, la petite roulette. Regarde, on va gagner la voiture California, la Ferrari California. Allez, regarde, la voiture. Non, pas ça, ça c'est pourri. Ça c'est pourri, c'est pourri. Ils m'ont donné un truc pourri. Ah, j'ai pas beaucoup de fans là. Ah si, quand même. Hein. D'accord, c'est bien joué ça. Les fans, elles sont quand même bien au rendez-vous. Je rigole, dès qu'on aura 1 million de fans, ça va être vraiment la folie. Je sais pas après si tu perds des fans ou t'en gagnes toujours, en permanence. Alors, on a fait quoi? Il nous reste le dernier truc ici. Faire un truc ici, exhibition. Ok. Donc, il nous oblige quand même à revenir ici pour faire de l'exhibition.
toute façon, ça m'évitera de revenir parce qu'ils veulent qu'on retente le truc hein, ici. Hein. Faites demi-tour dès que possible. Tu vois, quoi qu'il arrive, il faudrait qu'on le fasse. Et plus on le fait rapidement, mieux ce sera. Bon, ce sera quasiment le même circuit, mais bon, ça va. C'est cool, c'est cool. Heureusement que les tours ne durent pas 25 tours parce que j'aurais vraiment pleuré. 3, c'est parfait. T'imagines, tu dois faire comme dans Formule 1 là. Beaucoup de tours de qualif et tout. Moi, je craquerais. Hein. Donc, c'est parti. On va essayer vite fait, bien fait de tous les distancer. Il y a des circuits qui sont beaucoup plus faciles que d'autres aussi, hein, maîtriser. Hein. Non, celui-là, il est quand même assez facile, sauf qu'il y a quelques courbes qu'il faut faire attention. J'ai loupé ? Je l'ai loupé. Et je m'en doutais qu'il l'avait loupé. Je voulais juste voir si c'était possible de un peu gruger. Ah ouais, t'imagines, tu n'aurais pas le rebombinage, comment ça serait vraiment n'importe quoi. Ah ouais, le mec, il perdrait toutes ses courses. Hein. Bon, je l'utilise très peu hein, quand même. Hein. Excuse-moi, je me ferai un petit chemin. Chauffard va du dimanche. Chauffard, pousse-toi. Et il prend toute la route ce gros cochon. Hein. On va couper par là. Donc ça y est, le premier tour est presque accompli. D'accord. Excusez-moi, je voudrais juste passer par là. Voilà. Le premier est passé. Allez, deux autres en mode vitesse rapide là. Ah, l'eau, comme on m'a bien freiné dans ma progression là, c'est bien ça. Surtout que j'avais même pas vu que c'était. Attends, là, c'est là que je me loupe à chaque fois. On les a un peu distancés. Je reste un peu concentré, c'est pour ça que j'évite de justement trop vouloir parler à chaque fois, parce que sinon on est un peu moins dedans en fait sur la course et ça reste quand même, regardez, pas forcément évident, ça va. J'ai cru que j'avais percuté complètement le truc. Je pense qu'on peut s'amuser un peu avec le multiplicateur ici, regarde. Pas tant que ça. Hein. Si tu casses les arbres, ça rapporte, oublie pas. Les panneaux, c'est pareil. Là, on va avoir le truc du kangourou, vous allez voir. Dans le panneau. Donc là, il n'y a plus de truc de vitesse, il n'y a plus rien. Ouais, donc le multiplicateur, là, il part. Ah non, il reste encore. Merde, là, je vais toucher. Ah, le gros con. Mais c'est pas vrai. Mais t'es trop pourri, toi, dans les trucs comme ça, body. Hein. Je sais. Bon, là, par contre, si tu vas en ligne droite, t'es sûr que tu vas manger le mur. Elles sont passées où, je te jure, eux. On va essayer de voir comment ça va se passer. Allez, dernier tour, et comme ça, on finit rapidement cette épreuve. Il nous en reste peut-être encore deux, je pense, à accomplir. Et après, je pense qu'on aura quitté cette zone dans le désert. Mais en tout cas, c'est bien. Le désert, franchement, c'est là où je prends un petit peu de plaisir. Parce que je me dis, dès qu'on va passer en mode ville, je sais pas à quoi s'attendre là-bas. Je sais pas. Ok, nous sommes arrivés. Je crois qu'on les a distancés de quelques... Je dirais pas de tour, mais... Tu as assez gagné, boss. Laisse-en un peu aux autres. Je plaisante. Ah, il était à 4 secondes juste derrière moi, hein, donc c'est pas non plus énorme, hein, 4 secondes. Hein. Et je suis pas en facile non plus. Hein. Ok. Ah, le drone, il fonctionne plutôt bien, là. On l'utilisera un petit peu plus tard. Hein. C'est des choses qu'on va découvrir prochainement. Ah, 200 000, c'est obligé, là. On a presque.
pense que dès qu'on aura 10 millions de fans, ça va être la folie. Donc, j'ai encore un truc ici à débloquer. Attends, je regarde un truc. Donc, ouais, dès que c'est gris, c'est que c'est pas. Ouais, on l'a fait. Ok, donc je regarde un peu. Là, c'est le dérapage. Là, c'est le saut en question. Ok, il faudra prendre des fans un peu partout. Donc là, c'est des défis un petit peu. Donc ça, faudra qu'on le fasse plus tard. Ah ouais, ça va être quand même assez grandiose le truc là. Ok. Prenez le virage serré à gauche. Mais non, Anna, regarde, c'est beaucoup plus serré comme ça, regarde. Pourquoi tu te prends la tête à me guider dans des chemins que personne ne prendrait? À 200 mètres, tournez à droite. Vous avez atteint votre destination. Merci. C'est parti. Ah, Subaru, on en aura fait des courses avec, hein. On aura carrément fait tout le circuit ici, hein. Ah, tu peux choisir aussi la grille de départ. Ah ouais, tu vois, je pars pas premier. C'est plutôt pas mal déjà, c'est que ça nous. Ah, tu peux quitter la course. Donc là, on peut mettre par exemple un peu plus moyen. Très doué, non mais laisse-moi rire, s'il te plaît. Expert, pro, imbattable. On met ton moyen dans ce cas-là. Hein. Ce qu'il y avait au début en fait. Donc là, on va être beaucoup plus en train de s'arracher les cheveux. Voilà. Alors, comment faudra les couper? C'est combien? C'est une progression, c'est bien ça. Donc il y a toujours le premier, par contre, qui est toujours en décalage. C'est ça que j'aime pas, tu vois, justement, avec les défis. Avec eux, ils exagèrent tout le temps. Ils mettent toujours le moyen ou le niveau expert en beaucoup plus chiant. Parce qu'il y a toujours une voiture qui est au-dessus de tout le monde, quoi, elle est juste derrière. Mais au début, dès que j'ai commencé à forcer, on avait fait ça. Après, je sais pas, ça a redescendu légèrement, j'ai l'impression. Je suis pas bizarre. Avantage, pour l'instant, on a fait un vrai sans faute, hein. Même en moyen, tu peux encore les distancer légèrement sur certains circuits. Bon, ce que je redoute vraiment, moi, c'est la ville, hein. Ou par exemple les défis avec les trains ou les avions de chasse, tout ça, ça par contre c'est au millimètre près que ça se joue, vous voyez. Là je roule comme un papy, je sais pas pourquoi d'un côté je me suis complètement déconcentré là. Allez, kangourou. Ah, j'ai pas eu le kangourou là. Donc là, on se rapproche plus en plus de la ligne d'arrivée. Nickel. Ah là, j'ai un peu merdé un petit peu. Mes pneus, ils ont commencé à glisser. Ok, donc glissade latérale, elle nous a rapporté vite fait quelques points. Je pense qu'après, avec le petit bonus là-haut, on va en récolter des conneries, hein. Pourquoi je suis en train de freiner comme un papy là? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce que je suis en train de faire comme connerie? Ok, je vais être un peu plus gourmand maintenant. Presque arrivé, faut pas que je me loupe. Le virage le plus crucial, c'est bien celui-là. Ah, c'est juste là en fait, on est déjà arrivé, tu te fous pas de moi. Arrête. Une petite douche. Pour la voiture. Ah, j'ai senti qu'elle allait partir la voiture un peu partout. Hein. Gauche, droite, hein. Ah, il colle quand même légèrement à 3 secondes en fait.
Ok, donc c'est bon. Manque un petit peu d'argent, fait pas de mal. Ah, niveau supérieur, ça c'est bon ça. Oh, un petit bonus de 100 000 maintenant. Oh, il n'y a que des belles voitures par contre. Oh. Oh non, mais je veux pas celle-là, moi elle pue. Elle est pourrie ta voiture. Mais qui roule avec ça, sérieux, de nos jours? Vous voyez, ça sert à rien d'avoir 10 000 voitures parce que personne roule avec cette chariote-là. La chariote là en question. Allez, 200 000 fans, c'est obligé là. Tu vois, c'est bon ça. Ah, 320 000 l'objectif. Évaluer la création, allez si tu veux. Tu sais comment il t'impose? Il n'y a même pas marqué aimer ou pas aimer, c'est tout de suite aime ou annuler. Les affaires prospèrent, boss. Je t'ai sélectionné des candidats pour notre troisième site. Regarde la carte et indique-moi l'endroit. Je m'occupe du reste. Surfer Paradise, une ville moderne sur la côte. De l'acier, du verre et des virages à angle droit. Ou la Yarra Valley, la région viticole de l'Australie, l'endroit parfait pour se mettre au vert. Maintenant, laquelle vous préférez? Je m'aurais bien franchement mis celle-là. Elle est magnifique. Mais bon, j'imagine que pas mal d'entre vous préfèrent aussi également voir la ville. Donc on aura l'occasion de tous les faire. Hein. Mais j'aurais plus pris ça. Mais vu que ça fait une fois qu'on l'a recalé, ce petit vote, on va le prendre. Surfer Paradise. Je m'occupe de tout pour que la fête soit belle. Là, tout le monde Libre s'en à toi fout. de Hein. traîner un peu et d'arriver légèrement en retard. Cela, tout le monde s'en fiche de ce truc. Je m'en doutais que c'était là. Oh, ça va être horrible à conduire. Ça va être l'endroit le plus horrible à conduire, ça va être là-bas. Donc là, on est au niveau 2. Là, on a quoi d'intéressant? Je regarde un peu. Hein. Donc le calcul de l'itinéraire. C'est parti, on quitte cette merveilleuse zone. Faites demi-tour. Dès que possible. On a quand même pas mal fait des choses ici. Ça m'a bien plu le désert. Hein. J'avais bien apprécié ici. Vous en dites quoi, franchement? Attends, je vais essayer de défier le monsieur en face. Mais je crois pas que je pourrais avec cette voiture. À 400 mètres, tournez à gauche. Ah ouais, j'aurais même pas le temps de le dépasser. Mais il faudra que... Ah ouais, il va plus vite. Faut que je le défie. Allez, on le défie. Il y a quand même une voiture un peu plus puissante, hein, j'ai l'impression. Ah ouais, l'eau commence, ça l'a mis complètement en arrière. Allez, Body, concentre-toi un petit peu, s'il te plaît, ne fais pas de conneries. J'espère juste qu'il n'y a pas une voiture qui va arriver en face, comme ils ont l'habitude de le faire. Mais franchement, c'est pas mal ce côté-là. J'aime bien le désert comme ça, là. Oh, la voiture est en train de perdre un peu le contrôle là, avec les pavés rouges là. Ne prends pas l'arbre, j'ai failli de le prendre, je te le jure. Oh, comment ça rapporte des points ici? Ah ouais, il faut y aller pile sur la flèche, Body. Et là, tu vas chez la voisine comme ça en ligne droite. Mouin, boum. Nickel. Donc, bientôt, on aura le premier million. Donc est-ce qu'on gagne des fans ou pas? Non, pas encore. Donc niveau 15, ça va devenir intéressant. On en a remporté 13. Donc, ah oui, les prouesses. Donc j'en ai que 2 pour l'instant. Ça, c'est quoi cette coin dans ce cas-là? Des défis collector, ouais, si tu veux. C'est quoi ça? Ça, c'est pour le drone ou quoi? Non, ça, c'est pour la peinture. Ça, c'est pour les photos après. C'est quoi cette connerie, ça? Ouais, si tu veux, l'influence. Ah là 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 là. Mon drive avatar. Ah oui, c'est ce que tu récoltes dès que t'embauches des personnes. D'accord. Boss au festival. Ah ok, il y en a 25. D'accord. Bon, là, il y a quoi de l'autre côté? C'est quoi ce truc-là? Comme tu deviens moi. Mais c'est n'importe quoi. On devait faire un truc de démolition, rappelez-vous. Comme ça nous rapporte un peu de points. Et voilà. Ça va nous débloquer quoi ça? Ah, ça va être pas mal ça après. On va gagner pas mal d'XP. Donc voilà les amis, je pense qu'on va se laisser là. Et petit à petit, bah, c'est plutôt correct. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Allez, gros bisous à tous!